Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour YouTube, bonjour à tout le YouTube game d'ailleurs. Oh, il n'y a plus la cam, attendez, attendez, attendez. Hop, on remet la cam, voilà, comme c'est sûr que vous puissiez me voir. J'ai pas joué depuis plusieurs jours et encore moins Camille sur ce compte. Donc voilà, j'ai aucune idée du patch, on est sur le 8.4 là, au niveau des VOD, voilà, nous sommes exactement le 25 février 2018. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais voilà, donc toujours dans cette idée, sur ce compte, évidemment, on joue toujours, toujours Camille. Le but étant de progresser sur le perso, de faire genre je deviens fort, etc. etc. Bref, alors, du coup, il y a plein de gens sur le chat, enfin tout plein, pas trop, mais bon, bonjour Demquoi. Parce qu'on te demande, Anaïs, quoi, la voix, comment tu peux être marbouté sur ce compte? Je sais pas, moi. Du coup, tu vas jouer tous les champions que t'aimes, donc Riven, même si t'es nul. Et bah vas-y, c'est comme ça que tu vas progresser. Salut Naves, comment tu vas? Top lane impact. Mais c'est exactement ça, c'est ouf, hein. C'est complètement dingue. C'est l'impact de la top lane en ce moment est assez frustrant. Alors voilà, le pire, l'autre jour, je suis tombé contre Tahm Kench avec Jayce. Le gars était genre jamais sur la lane. J'ai dû mettre 70-80 CS. Il gagnait les 1v1 et juste, no joke, dans les 1v1, il me courait après. Et en me courant après, il me tuait. Et je pouvais rien faire avec Jayce. Genre si je me prenais un coup de langue, j'étais mort. Et je me disais, mais il y a un problème, tu vois. Je sais pas, c'est assez insane. Et c'est dingue ce genre de perso. Fin. Mais bon, pas grave. Du coup, je pourrais pas faire grand chose face au Kench en théorie, hein, je pourrais certainement pas le tuer. Donc, dégâts bruts face à un mec qui a autant de HP, c'est pas ouf. Je peux prendre le E first, je vais peut-être essayer de max le E pour aller faire des ganks sur mid lane. C'est un Azir, après ça se gank pas facilement. On a un nul jungle, je supporte pas ce pick. Voilà. Mais bon, on fera avec. Rah, j'aime pas quand je joue pas pendant plusieurs jours, au moment où je rejoue à chaque fois, j'ai l'impression de pas réussir à gérer la souris, la caméra, etc. C'est. Je sais pas si ça vous fait cette sensation, enfin ça vous arrive de ne pas jouer pendant plusieurs jours, mais c'est une sensation que je déteste pour le coup. C'est moi, j'ai absolument besoin de beaucoup de régularité pour être efficace dans les jeux. Mais bon, bref. Bonjour Gordouze, comment vas-tu? Oh, le nombre de subs qui ne fait que diminuer. Forcément, quand on le stream pas. Oui, alors non, hein. Je vais me casser. Oh là 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 là, la perte de temps. Oh, qu'est-ce que j'aime pas les gens dans LOL, même en vrai. Mais c'est pas grave. On y va. Je vais perdre en théorie 1 à 2 creep. Le Tahm Kench, je devrais en perdre autant. Il est là. Tac, tac. Ah. Je vais peut-être prendre le E pour essayer de gagner un peu de. Pour pas avoir trop de retard en termes d'XP. Parce que ce serait dramatique de base que c'est un match-up pas ouf. Après, comme je devrais pas trop me fight dans le match-up, même si j'ai pas le Z, c'est pas grave. Allez, dis-moi que tu vas arriver, Camille. Oh oui, ça va, j'ai eu l'XP. Ouh, je crois que j'ai eu les 3 creeps d'XP. Ça s'est pas joué à grand-chose, hein, mais bon, on fera avec. Bon, par contre, effectivement, je ne peux pas trade, je peux quasiment rien faire. Hein. Il y a les creeps, normalement, je peux me prendre deux coups de langue. Il peut venir me mettre des torgnoles, par contre. Nyeh. C'est très relou par contre le fait de pas avoir de spell ou quoi que ce soit. Hop, la comète. Voilà. Tahm Kench vient de perdre des HP. LOL. Excusez-moi, je vais être un peu. Ah là là. Ne pas jouer souvent à LoL et tomber sur une game face à un Tahm Kench quand tu rejoues, c'est terrible. Bon, par contre, j'ai des soucis avec la caméra à chaque fois. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien, n'hésitez pas en commentaire à me dire, alors si vous, quand vous jouez pas pendant plusieurs jours, vous avez cette impression aussi de pas réussir à gérer votre caméra, etc. Enfin, je trouve ça super perturbant comme truc, moi. Peut-être moi qui suis naze, hein, mais... Ce qui est tout à fait probable. En soi, j'exclus pas l'idée d'être naze. Non, vraiment pas, c'est... Doudoudoudoudoudou. Ah, ça avait l'air super intéressant hein, de fight Tahm Kench. Voilà. Wouhou. Bref, un petit peu de retour en XP, il va revenir avec la téléportation, j'ai perdu des creeps. Au final, ce gank m'enlève plus qu'il ne m'apporte dans l'idée.
Alors, ça donne combien de points de dégâts, ça? Oh, c'est pas mal, mince, je perds un câble, du coup. C'est un Jarvan Jungle, ok. Voilà, on va essayer de jouer sur la pression. Les bons dégâts du Tamkinch. Et il va m'out XP et m'out level, le Tamkinch, ce qui est pas ouf en soi. Mais bon. Ouais, au moins qu'il y ait cette waf qui reset. Ah zut. Zut, non, arrête. Ah, t'as mis. Oh, j'ai pas les dégâts. J'ai pas assez de gold pour le back sans intéressant, c'est naze, c'est naze. Le fait de jouer au melt qui désorante. Ouais, mais là c'est pas pareil, c'est que t'es pas sur ton même PC clavier souris que moi, c'est que les mêmes. Mais bon. Ah, mais c'est vrai qu'il y a plus de smite vert, j'ai lu. Oh là là, va vraiment falloir que je lise le patch. Hein. Parce que j'ai pas trop idée moi de. Des nouveautés de ce patch, c'est assez ouf. Non, lâche-moi, arrête, arrête! Je sais pas, t'es pas censé pouvoir comme ça venir me foutre des tornioles. Non mais oh. Ah, ça c'est chiant. J'aurais pas le creep là-bas. Ouais. Si je vais chercher le creep, je vais prendre cher. Non, ça ira. Eh bé, Jarvan, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'aurais pu ulti Jarvan pour m'échapper et pas flash. J'ai paniqué. My bad. Celui-ci, j'ai pas. Celui-ci, j'ai pas. Ah non, j'ai pas voulu mettre l'auto-attaque. Zut, c'est un clic raté. C'est un clic qui est parti un peu en cacahuète. Par contre, si le Tomkin, j'ai pas là. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais une vitesse de push. Oh, aïe 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 aïe. Oh là 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 là, la pire vitesse de push du monde, j'aurais jamais dû push, j'aurais du back. J'aurais tellement juste du back. Chaque fois j'oublie la vitesse de push de Camille. Ah c'est... Oh là 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 là. Bon allez, on va pouvoir s'échapper. Ah, je peux pas cross ce mur, ok. Ok, c'est pas grave. Oh là là. C'est dur de pas jouer pendant longtemps. Enfin longtemps. Prenons ça, on sera bien. Bon, ils savent que j'ai plus de flash et ils savent que j'ai plus de TP maintenant. Ah, raté, très bien. Très bien, très bien. Oh, je sens que je vais être chaud là mécaniquement, tu vois. Non mais Camille, qu'est-ce que tu fais? Bon, augmenter le ratio AD du A à partir du moment où j'ai pas d'AD, ce serait pas ouf. Le Tamkench qui peut revenir de la rivière. Si je reviens pas la rivière, je pourrais mettre une pink. Non, c'est toi. Il a pas l'air. Patience is what separates heroes from dead ones.
Les dégâts du Kench sont assez insane quand même. Je sais pas, je trouve ça assez ouf comme dégâts, mais peut-être moi qui me trompe. Salut Panda, ça va et toi? Ah. Mais lâche-moi. C'est... Je pense que le match-up est pas gagnable en aucune façon en plus. Ce qui est très frustrant en soi. Il a des bottes? Il a des bottes. Et casse-toi! Aïe aïe aïe. C'est tellement inintéressant. Ah zut. La 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 la. Je trouve ça assez insane. Eh hey, bonjour, je suis Tam Kench. Bon, il a plus de mana. Coup de chance. Ça va, ça va, ça va. Ici, il a pas de mana. Est-ce que je commencerai pas à monter le A maintenant? Merci beaucoup du follow en tout cas. Faudrait que j'arrive à ganker mid. Je pense que je vais prendre un Tiamat. Parce qu'en fait, avec un Tiamat, je pourrais prendre le push et décaler. Là, je peux pas du tout. Je vais speed pousser dans cette game. Si j'y arrive, ouais. Maintenant, en soi. En fait, il push plus vite que moi. Il peut venir me trade dans les creeps. Et moi, je peux, je sais pas, pas faire grand chose. C'est terrible en fait, un perso qui gagne et le 1v1 et qui peut décaler. C'est... Il fait tout. The luxury of mercy is there. Mais Tam, je trouve ça débile as fuck comme perso. C'est, ça a beaucoup trop de force, je trouve. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas très intéressant, en soi. Enfin, c'est pas le genre de perso que je juge intéressant. Ah, mais va-t'en. Mais bon, il va falloir que je prenne le Tiamat. Et une fois que j'aurai le Tiamat, il pourra plus décaler aussi facilement, normalement. Ce qui sera déjà en soi une grande force. Hop. Bon. Toi qui joues agressif, tu l'adores. Bah oui, mais c'est... Enfin... Tu vois, c'est pas un perso qui est censé faire ça, tu vois. C'est, ça fait quand même un peu beaucoup trop de force. C'est... Tu veux dire, quelles sont mes possibilités hein? C'est juste Tam, il vient. Il push parce qu'il y a le push et voilà. Et voilà. Par contre, hop, si j'arrive pas à utiliser le bon truc, c'est ça. Arrête! T'es pas censé faire ça, Tam Kench.
Bon. Il y a le Ryze qui m'a ping. Et il a un ulti, le Ryze, ou... Le Ryze, il me ping. Il a un ulti, mais il vient pas. Ok. Je... Moi, je suis allé dedans parce que j'ai vu le ping du Ryze. Mais bon, soit. Ah, il arrive des moments dans la vie comme ça où vous comprenez pas trop. Hein. Et pareil, ça s'appelle des alliés. Je suis en train de prendre le dégât du Herald sans raison. Juste parce que je suis débile. Ok, Ryze. Allez Camille, ça va le faire, ça va le faire. Je pense qu'il me pingue pour écrire. Bah c'est ridicule, enfin si c'est un ping pour écrire c'est naze parce qu'il y avait moyen de prendre un kill. Mais... Bon. Ça y est, on l'a tué. Eh ben, comme c'est long, ça va, on a tué Tam Cash. Bon allez hop. Wouhou, on a tué Tamken, chouette, ouais. Wallplay, Nunu. Faut toujours dire wallplay aux gens, parce que... Venir gank à Tamken, je trouve qu'il faut une sacrée paire de balls. Attendez, hop, y'a pas la démolition? Oh là, y'a le Tamken. Il y a un moment où le Nunu le savait, nous étions condamnés, on peut rien faire avec le Tamkench qui arrive. Cassons-nous. Courage, fuyons. Mid, le Ryze doit pouvoir aller au Webclear, y'a pas de soucis. Je vais avoir la Trinité et je vais... Ah, j'ai pas la Trinité. Quel débile. Ah, ça c'est le moment où vous êtes un peu déçus et où on va attendre à la base, l'air de rien. je me sens un peu ridicule dans ce genre de conditions quand même. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Oui, bonjour, il me manque quelques gold. Et voilà, tada! L'air de rien. Ok, donc, est-ce que j'irai pas faire du gank? Je peux aller push. En fait, je vais essayer à chaque fois de push à top lane, décaler mid lane. Parce que bot, j'ai peur de. Si gank passe pas, en fait, bot, je suis ultra loin et je perds un peu tout. Ce qui serait pas ouf. Le Tamkench là. Attention, 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 les copains. Et top, au moins, l'avantage, c'est que si le Tamkench est pas là, je peux très bien prendre la tour sans trop de soucis. Non, alors là, par contre, Ryze, tu te fous un peu de ma gueule. En soi, Ryze, je trouve que... Je sais pas, c'est une vaste blague, enfin. Aïe, 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 aïe. Genre, le Tamkench, on le voit, on lui ping, et hop. Le mec se suicide. Du coup, on va le mute. Je veux pas de gens comme le Ryze dans ma vie. J'aurais dû continuer à push top. En vrai, j'aurais dû continuer à push top, ça aurait été mieux. Le push top aurait été plus intelligent. Voilà, je suis trop influençable par mes alliés quand ils commencent à râler en fait. Je vais essayer de me rendre utile. C'est un truc que j'ai perdu avec les années, ça. Le sang-froid de me dire, bah, peu importe ce que disent mes alliés, en fait, je fais juste ce que je dois faire. Bah, c'est pas ce qu'ils disent. Mais bon, c'est pas bien grave. Je peux pas faire grand chose ici. C'est qu'un Cloak Drake, donc c'est pas grave. Ok, il y a un Thresh là. Je vais essayer de mettre une peine capitale. Ils ont une ward ici. Tiens, moi, il y a une TP là qui est claquée.
You will be where I want you to be. Waiting here is the most of all. Bon, on va essayer de tabasser la tourmi normalement. Hop, on check un peu la jungle. J'ai pas de ward à placer par contre, ce qui est un peu plus embêtant. Nickel, la plus ultimate maintenant. Hop, on est bien. Je dois avouer que je fais même pas de orb walking ni rien depuis tout à l'heure. J'y vais juste comme un gros porc. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Je pourrais quand même mécaniquement être plus au taquet. Hein. Mais bon. C'est pas grave, on va aller dépoucher la top lane et on pourra rebouger après. On y va. Yo Tib. Tip. Tiens, c'est rigolo Tiberno. Hier soir, je suis allé boire un verre avec des potes et qui je croise au bar, alors contre toute attente, Belva donc de fureur hein, pour le coup. Et c'était trop marrant parce qu'on s'attendait pas du tout à se croiser comme ça. Enfin, on s'était pas vu depuis vachement longtemps en plus. Y'a un Tamkench en killing spree. C'est vrai que je me rends bien compte qu'avec du stuff tank, c'est normal qu'ils soient en killing spree. Hein. Pardonnez-moi, je suis toujours un peu salé avec les tanks. Pour ceci, on a un Nunu qui vient de faire un double kill. Ah, elle est loin à l'époque. Je préférais l'époque où les gens râlaient en mode oui, les assassins, on peut pas jouer, y'a pas de counterplay, blablabla. Et où à l'époque, j'adorais jouer carré AD, moi à l'époque des Z et autres piques. Hein. Je trouvais ça trop bien. J'avais pas le droit de mal jouer. Si je jouais mal, bah je mourrais, c'était trop bien. Hop, est-ce que je continue de pousser top? Non. Hein. On va pouvoir mettre une ward bientôt derrière, je peux arriver là. Oh, y a pas de heal, zut, j'ai flash un peu trop tard, my bad. J'ai complètement derp, my bad. Zut, j'ai pas vu que le couteau était parti. C'est pas grave. Je joue pas super bien dans cette game. Au bout de 3-4 games, ça devrait être revenu un peu et généralement il me faut 2 jours. Vraiment, le premier jour, quand je reprends LoL, je joue mal. Le lendemain, ça va. Ah, mais demain, je joue pas. Après, la prochaine fois que je joue à LoL, c'est quand on est dimanche. Vendredi prochain, peut-être. Oh. Tu m'étonnes que je sois nul. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je prendrais bien le Sterak maintenant quand même. Ce qui va être quand même un super apport. J'aime beaucoup ce item, j'ai ATP de up. TP, up. Fami, split, bot. Et eux, ils ont aucune raison d'être bot side, hein, évidemment. Dans ces moments-là, on veut que la duo lane soit plutôt top mid à peu près pour mettre la pression qui est un surnombre. Ils ont rien à faire là. Je leur ai dit dans le chat. Miaou. Je sais pas où est le trash, alors du coup. Ouais, voilà, il est là. Parce qu'en théorie, je peux la all-in. Et en théorie, je peux peut-être même un V2. Mais si je me rate et que je meurs, j'ai l'air con. Donc autant maintenir 2 adversaires sur moi de façon safe. C'est beaucoup mieux. Est-ce qu'elle fait mal, elle? Ah, elle a quand même 2 items. Salut. Il a mis noir là-dedans. Je suis un peu bête, faut pas que je reste là. Il y en a 2 là. Ok. Ok, le trash est plus sur la lane. On le voit au niveau de la jungle là. Il est en train de casser ma ward ou pas? Oh. C'est un peu chiant s'il casse toutes mes wards. Il sait que je suis là, la Caitlyn doit plus être là, je pense. Je vais venir là. Je m'attendais à ce qu'il avance et il s'est fait lock par le Varus. Bon, on va pouvoir prendre la tour. Quel débile. Oh, quel crétin. Je pensais qu'avec le trash et pas la cave. My bad. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit qu'avec le trash. Mais comme on voyait plus la Caitlyn, il y avait de grandes chances qu'elle soit là. Oh, zut.
Ah, ça c'est ridicule par contre. C'est assez ridicule ce que je viens de faire. Oui, alors par contre, vous êtes pas obligés de tous venir. Genre quand je me fais catch, les gens doivent partir à la base. Non, mais non, Penta. Ah non, ça. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pas le droit de faire une erreur dans cette game, hein. C'est terrible, ça. Faut absolument que les gens prennent l'habitude de se casser, en fait, simplement. Bon, ça donne quoi au niveau des... Qui on a... Ah. Hein ? Dans quel monde tu fais Ginzu statique ? Ça a pas de sens, son stuff. Waouh. Ils sont sans doute en train de faire le Drake. Il y a le Azir qui est là-bas, du coup, je peux craindre le Thresh, le Jarvan et Kate, potentiellement. Non, voilà. Il y a le Tam à côté. Le trash est loin. What? Sérieux, ça l'a pas touché? Ok, dommage. Soit, j'accepte. Salut Atsuko, comment tu vas? Dommage. Bon allez hop, c'est parti pour un Asher et on est bon. Oh. Et bah voilà. Bon, ça va être un Randuin, bien sûr, hein, parce que la Caitlyn fait un peu mal. Donc on va partir sur un Randuin. Salut Wulki, pas de soucis. C'est le pire TP du monde, ça. Soit. Je conçois qu'une Morgana sup ait besoin de TP ici. Oh merde. Je suis un peu con en fait, hein. Je vois qu'il met une lanterne, qu'est-ce que je fais? Moi j'y vais. Je vais être de mauvaise foi et dire que si la Morgana avait pas TP là, j'aurais été en train de farm et je me serais pas fait catch. Voilà, c'est la faute de la Morgana. Soyons mauvaise foi dans la vie, c'est important parfois. Ah là là. Ah là là. C'est terrible. Je vais pas lui dire dans le chat à Morgana, il faut de la vie de farm, etc. C'est pas grave, les ennemis font aussi des erreurs ridicules, enfin c'est complètement ridicule ça. Mais... Non mais pushez. Push. Mais vous avez le baron, on s'en fout de chase des... Mais c'est terrible. On s'en fout, les adversaires ils peuvent que prendre ça et après on défend ça, c'est pas très grave en soi. Mais il faut push. Ah là là, j'ai vraiment pas le droit. En fait, j'ai pas le droit de faire d'erreurs stupides dans cette game parce que les gens sont pas oufement forts non plus. Moi aussi je fais. Du coup, mais dès que je fais ça. Ok, ils sont beaucoup au bot. Ils sont beaucoup au bot, je vais pouvoir prendre la tour par contre. Hein. Si tu laisses une Camille avec une tourelle, la tourelle disparaît. Necessary, yeah.
Moi je laisse mes alliés faire la bagarre. Hein. Pour moi ils ont aucune raison de faire la bagarre là, alors comme je suis pas d'accord avec leur décision. Voilà. Tami, ça split pouce. La Kaita revient. Hop là. Ok, bon. J'aurais peut-être pu sauter sur Thresh avant, je pense que je le tuais, mais j'ai envie de prendre trop de risques parce que dès que j'en prends dans cette game après, ça tourne mal. Explication. Faisons pas le fifou. Faisons pas le fifou. Essayons de gagner. Dans ce cas de Camille Jungle, en soi, c'est compliqué, faut réussir à bien être aggro parce que t'as un clear de jungle qui est pas incroyable. Donc oui, non, ça peut marcher, j'ai pas trop de soucis avec, mais c'est pas si simple que ça à mettre en place. Parce que t'es fort sur tous les commandes aussi, pour avoir une bonne vision de la jungle adverse, pour faire des invades, etc. etc. Alors, note du patch 8.4, qu'est-ce qu'il y a dessus? Le chapitre perdu modifié. Ah ouais, il y a des modifs des items AP de ouf. Oh là 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 là. Bon, outre les items AP, qu'est-ce qui est modifié en soi? La voix du haut. Alors, la voix du haut, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il y a une modif sur Darius. Ah, il y a un up de Darius. What? What? Ok. Je sais pas où sont les méchants, c'est un peu bizarre. Ok, il y a Tom Kench qui est top. Je sais pas où sont les autres. Oh merde. Oh, ils sont pleins. Oh, ils étaient pleins. Oh. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je grid? Chaque fois. Je sais pas, je m'étais pas dit que ça allait être 4 vers la bot lane. Non, 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 je m'étais pas dit ça. Ah, je grid beaucoup trop. Alors, up de Darius. Nerf de GP. Ah, c'est legit, ça me va. Up de Gnar. Ah, attendez, non, il y a un nerf de Gnar. Ok, up du E de Gnar et nerf du A, ça me va. Ça me va, ça me va. Ornn. Nerf de Ornn. Ok. À peu près. Ouais, augmentation de la durée de shield. Ok. Par contre, l'augmentation de la durée de shield, Riven, ils ont fait que réduire son shield à 3,5 secondes, le shield, il dure. C'est insane. Je sais pas, c'est comme très beaucoup, ça. Hein. Je suis pas super d'accord. Mais c'est pas grave. Up de Poppy. Ok. Up de Renekton. Ouais. Ouais. Je sais pas, je suis pas super fan en soi, mais bon. On fera avec. What? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Quoi, ils... Est-ce que je TP ou pas? Est-ce que je fais une téléportation? C'est peut-être pas une... Si. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah! Non. Oh, il me voit, j'aime pas qu'il me voit. Ouais, je suis pas convaincu de la nécessité, mais... Mais la Morgana, je sais pas ce qu'elle fait à chaque fois, enfin... Genre non. Enfin, il y a 12 000 autres personnes dans la team qui ont besoin de plus de ressources. Hop, on clear la jungle tranquillement et je regarderai le reste du patch après. Salut Aimé, ça va et toi? Arrêtez d'essayer de me... Mais ouais, calmez-vous.
The task at hand is the only one that matters. Ah. What? Ok, je pensais m'accrocher là, mais je crois que j'ai visé Jarvan directement, c'est pas une bonne idée. This is simply my profession. Ah, ah, je peux pas passer de l'autre côté du mur. Ah mais alors mon but là, que je vous explique mon plan dans le fait. Donc je lui fais cramer l'ange gardien, je passe de l'autre côté du mur, je me fais oublier. Donc soit il me chase, mes alliés sont tranquilles et moi je m'escape. Soit il me chase pas, il m'oublie et je reviens après plus tard sur la Kate. Et en fait non, je peux pas traverser ce mur. Ah, c'est un peu embêtant en soi. En soi c'est une situation légèrement cocasse qui vient de m'arriver. Parce que je pensais que je pouvais traverser ce mur en fait. Pas du tout. C'est pas grave, on va prendre la stopwatch et on fera l'ange gardien après. Et ça va être un peu mieux. Let's going on. Bon, c'est la deuxième erreur que je fais de Camille où je ne traverse pas un mur comme prévu. Fasse gaffe, normalement. Est-ce que je me dirige vers le baron ou est-ce que mes alliés sont... Ouais, je peux faire le poussage au bot. Sauf si c'est de bagarre. Faut pas bagarrer pas. Bon, ok, je vais aller rejoindre. Oh là là. Ils auraient pu juste tenter de faire de la défense de baron et tout et non. Bon, en fait, j'aurais dû aller bot. Aïe. Oui, j'ai failli vouloir utiliser la potion, mais j'ai pas... Fiouf! Eh ben! Laisse-moi les ressources! Ouais! Merci Morgana! Bon, j'ai un peu... Je voulais absolument réussir à tuer quelqu'un, t'as pas... Oh. Oh, je vais pousser, je suis beaucoup trop lent, de toute façon, pour être utile. Est-ce qu'il y a toujours l'élixir qui booste les creeps, là? Est-ce que ça marche toujours, ça? Tiens, je sais même plus. Ah oui, c'est ça. Ah non, allié champion, ok. Hop, on pousse, on va prendre tout ça. J'aurais pu mieux jouer dans les fights, hein. À chaque fois je suis en pleine hésitation et j'ai une mauvaise anticipation des spells adverses qui vont sauver les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui back? Parce qu'en vrai, elle, je pourrais peut-être lui sauter dessus, mais je sais pas si elle a pas des alliés qui ont back aussi. Bah, c'est ça qui me fait peur, parce qu'en soit, la Caitlyn, comme vous en doutez. Pas vraiment la Caitlyn qui m'effraie, mais c'est la chouette, parce que la chouette effraie. Ok, la Caitlyn est en train de se casser là-bas. Oh là, elle se heal beaucoup, non? Ouais. Est-ce que vraiment je veux prendre le risque à côté d'une tourelle, à côté des T4 quand on vient d'avoir le baron? Non. Non, il y a un moment, Gardon, faut que t'arrêtes de prendre des risques. À chaque fois que t'as pris tes risques dans ces games, ça s'est mal passé. Oh, salut toi. Coucou. Et du coup, ne prenons pas trop de risques. Le but, c'est quand même de gagner cette game. Bon, j'ai pas beaucoup de farm. J'ai pas réussi à bien gérer les rotations par rapport du farm. En soi, j'ai fait pas mal d'erreurs mécaniques. Et ma décision de pas aller avec la team,
aura payé. Non, j'ai pas envie d'aller sur la Kate. Ah, je suis dans un piège. Voilà, on va gagner quoi ça? Bon, à noter, peut-être prendre plutôt le Tiamat face à un Tamken pour pouvoir justement décaler follow-up un petit peu. Mute le Rise était une très bonne idée, c'est toujours une bonne idée, bien sûr. Vous abonner serait aussi une bonne idée. Et en tout cas, je vous fais des bisous du coup. Tchou!